on peut profiter de ce moment de convivialité et de découvrir un peu toutes ces œuvres qui, j'en suis sûr, donneront beaucoup d'envie à tous et qui, évidemment, une partie des fonds récoltés sera reversée pour lutter contre le cancer du sein. J'ai proposé à Thomas d'organiser un événement autour de l'art et du rugby. Thomas est un homme de goût et amateur d'art, il m'a tout de suite suivi, il m'a tout de suite soutenu. Et on a monté ensemble ce projet en réunissant des artistes d'univers différents, d'horizons différents, avec des techniques différentes. Ces œuvres sont à l'avance. D'une part, ça permet aux entreprises qui sont partenaires du club d'investir dans des œuvres d'art uniques, de défiscaliser, d'avoir dans leurs locaux une image de leur club de cœur un peu différente. On a souhaité associer une association caritative à ce projet, qui est l'association Ruban Rose, la recherche contre le cancer du sein. Je considère que moi c'est un devoir citoyen d'aider chaque fois qu'on peut ce type d'association. C'est l'idée du Stade français également, de par sa politique RSE qui est très dynamique et très active. Donc tout s'embriquer pour faire un bel événement, passer un bon moment. Déjà ça fait moins mal au dos d'être là que d'être sur le terrain, donc c'est agréable. Et c'est sympa de découvrir aussi le stade d'une autre manière. C'est vrai que j'avais tendance à plutôt être sur le terrain et là d'être dans un si bel endroit, en plus pour un événement plutôt sympa, c'est vraiment très agréable. Sympa.